Dispersez-vous, rentrez chez vous. Nous ne voulons pas d'incident. Laissez-nous passer, nous ne partirons pas. Nous voulons passer, laissez-nous passer. Nous sommes ici pour défendre nos droits. Dispersez-vous, rentrez chez vous. Retirez-vous dans l'ordre et le calme. Nous sommes ici pour défendre nos droits, pour nos femmes et pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Bon sang, bonsoir, ces femmes et ces moutards nous cassent les oreilles. Police, milice, fricaille, racaille. Dispersez-vous, retirez-vous, rentrez chez vous. Police, milice, fricaille, racaille. Ne vous approchez pas et ne protestez pas. Éloignez-vous, dispersez-vous, rentrez chez vous, ne vous insultez pas. J'aurais dû m'en douter. Ces petits paysans ont toutes les audaces. Et dire que j'ai la bonté de loger ça chez moi, un communiste en somme, quelle insolence. C'est vous, Guilbeault. Bonjour, madame. Quand perdrez-vous cette manie de claquer les portes? Excusez-moi, madame Langlois. Guilbeault, ne partez pas, j'ai à vous parler. J'ai très peu de temps. Soyez sans crainte, je serai brève. Vous manifestiez, dites pas non, je vous ai vu. Et alors quoi? Ça vous dérange? Ça me gêne, enfin les gens de l'immeuble parlent. Laissez-les parler. Vous comprenez, de son vivant mon mari. Le colonel n'aurait jamais toléré ça. Par ailleurs, je ne voudrais pas héberger un anarchiste. Mes opinions ne vous regardent pas. Vous savez, je paie ma chambre. Si mes idées vous déplaisent, je déménage. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous êtes chez vous. Je pleure toutes les larmes de mon corps. C'est cette saloperie de gaz. Allez fumier. Vous n'auriez pas une cigarette. Il ne m'en reste plus une seule. Je n'ose pas descendre dans la rue. La foule m'a toujours fait peur, même à carnaval. Ce ne sont pas des blondes. Aucune importance. Du temps du colonel, je ne fumais que des troupes. Guilbeault, il ne faut pas m'en vouloir. Cette agitation m'a rendue nerveuse. Ce tumulte, cette haine, cette tension de part et d'autre, c'est plus fort que moi, il faut me comprendre. Voyez-vous, nous ne sommes pas du même monde. Cela ne veut pas dire que nous ne puissions pas être amis. Amis, nous, ça m'étonnerait. Vous refusez mon amitié. J'en ai rien à foutre. Depuis la mort de mon fils, je me sens si seule. Il y aura un an demain qu'il s'est tué. 2 ans jour pour jour après la mort de mon mari. Excusez-moi. Vous ne pourriez pas me prêter votre brosse à chaussures? Mais si, bien sûr. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? À
mon mari. Non, votre fils. Il s'est tué bêtement sur la route de Paris. Il roulait à 180, il n'était pourtant pas pressé. Il n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. Et le colonel ? Lui, il est mort en Indochine. Je ne l'avais pas vu depuis au moins 5 ans. Nous vivions séparés depuis longtemps. Quant à ma fille, cette chipie, c'est comme si je n'existais pas. Elle ne m'a pas donné le moindre signe de vie depuis son mariage. Elle m'avait pourtant répété qu'elle ne trouverait pas chaussure à son pied. Mais elle a fait un beau mariage, alors que moi, j'ai perdu ma particule et mes illusions en épousant le colonel Langlois. J'étais baronne de Neuville, je suis devenue madame Langlois. Bah, on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Voulez-vous un verre de gros plan? Non, merci, je n'ai pas le temps, j'ai rendez-vous.